suis en amour. Je sais pas trop si je suis en amour avec une personne, avec un pays, un concept ou une ambiance. Je suis peut-être même en amour avec moi-même, j'ai aucune idée. Mais je suis bien. Je suis bien, puis je prends soin de mon corps et de mon esprit. Puis les autres s'occupent de moi aussi. Je fais juste... bien. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire par « it feels like home ». On dirait que même si j'habite à 6000 km de tout ce que j'ai jamais connu, je suis chez moi. Des fois, les amants me font chier, comme quand ils me rentrent dedans puis ils s'excusent même pas, ou quand ils disent pas bonjour quand je vais à l'épicerie. Mais ils sont beaux, puis sont vrais. Les Allemands sont directs et sincères, y a pas de fausse politesse, y a pas d'espoir vain, je sais pas. Ma maison est énorme et confortable. Des fois, j'ai peur parce qu'elle me parle puis j'essaie de dormir. Les escaliers craquent, la pompe à l'eau fait du bruit et les petits habitants dans les murs crattent. J'ai peine à croire que je suis toujours seule avec 3 étages et un sous-sol creepy pour moi toute seule. Mais je sens que la maison m'aime quand même un peu. Il y a juste 2 plantes qui sont mortes. Mes enfants sont cute. Ils veulent que Vicky vienne dans le cours, que l'assistante aux cheveux verts fasse encore jouer du pied à la pointe et qu'elle dise des trucs pas trop cohérents dans une variante linguistique inconnue. Ils me demandent mon numéro de téléphone, mon Instagram. Ils disent « Monsieur ma sœur, quand est-ce que Vicky va revenir dans le cours? » Ils me font des compliments sur mes souliers. Je les aime. J'ai goût d'entendre ce qu'on va me dire. Vous me manquez. Il fait chaud ici. Je pense que je vais peut-être rester un peu plus longtemps que prévu. Mais je vous aime.